Non, non, ça va pas. Non. Il n'est pas d'accord, dit Choupé. Non, c'est... Oh, puis c'est catégorique. Hein. Il a hoché la tête, il a dit, oh non, 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 ça ne peut pas aller. Ça. Non, 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 franchement, de ce côté, oui. Mais... c'est pas mon genre de truc. Je sais bien. Bien essayé. On va essayer de le gagner les deux, s'il te plaît. Si tu peux. Il y en a deux, là. Il y en a qu'un, non? Hein? Il y en a... Attends, je vais mesurer. S'il y en a deux, je vais envoyer avec. Hein. Ah oui, oui, s'il si y en a deux, oui. Merci. Pour Didier Choupé, il y en a deux. Hein. Tu peux me donner un coup de main, Didier, s'il te plaît. C'est bon. Je crois bien que Ludovic a raison de faire vérifier si la deuxième point est rentré, sinon ça va l'obliger à jouer dans les deux boules, sachant que Michel Loi n'a plus qu'une boule en main. Donc s'il rentre à deux, il faudra qu'impérativement Michel gagne le point. Et ils sont à 11, alors. Ah, les deux, essaye de le gagner si tu peux. Il n'y en a qu'un, alors. Ah oui, il doit y en avoir qu'un. Il ne peut pas gagner. Hein. Si je rentre en deux. Ouais, si tu veux. Ouais. Si t'as envie de jouer avec, vas-y. Allez, do. C'est mène à ton coup. Allez, do, c'est pas grave. Essaye. C'est pas des situations faciles avec des terrains comme il y a. Pour faire deux points. La mauvaise tombée peut même lui faire perdre la totalité. Même. Pas pareil. Alors attention. Il essaye de rentrer par deux. Il y en a un. Ça va. À moins d'un carreau, Michel ne pourra pas carreau gagner. Carreau gagné. Allez, Mich, force encore. Il faut le tenter, hein. Ah putain, il va le tenter. Ça lui donne quand même le point. Même s'il frappe et qu'il fasse pas de carreau, mais ça lui fera que 12. On frappe. Et voilà, frappé. Et ça fera 12. On revérifie pour voir s'ils ne sont pas trompés. Et oui, parce que imaginez s'il n'avait pas bien mesuré et qu'à l'arrivée ça fait 13. Ouais. Là, il y a souci. Hein. Et 12 donc pour Barbizon. Qui a un point de la qualification pour demain, pour la finale, ce qui les évitera de participer au triplet. Ouais, c'est serré hein, sur les autres doublettes, je suis en train de regarder. Et oui, Barbizon qui est devant 8 à 5 dans la doublette mixte également. Allez Mich. Alors on a joué à 8 mètres environ, distance intermédiaire, et Michel Loi qui continue de les envoyer toujours aussi haut, et ça ne bouge pas. Bravo. En l'air, j'ai dit il y a le bouchon. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, faut y aller, maintenant on a pas le choix. Hein. Je me réveille. Allez, go. Allez, on se lance au tir, obligé. Ces applaudissements pour Claudie Webel qui vient de faire un carreau. Il n'a pas fait passer. Non. Regardez, c'est... pas tout à fait droit. On voit des images des deux coachs côte à côte.
Voilà, Maza qui gagne le point, c'est bien fait. La Maza qui a très très bien joué quand même dans toute sa partie jusqu'à ce maintenant. Il a très bien pointé. Mais il n'a pas de chance, il s'est manqué une fois au tir, c'est la main où on est arrivé, où nous avons pris 5. Voilà, exactement. Allez, contre-attaque de Choupet. Et carreau. Et on en voit quelques-uns quand même. Oui. Et encore un point. Ouais. Parfait. Ah, il fait sa partie au point. C'est vraiment très très bien. Mais en face, ça joue à très très haut niveau en ce moment, hein, Choupellois. Oui, là, ils sont au summum de leurs possibilités. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'erreur, ils ne manquent rien. Donc à partir de là, c'est difficile de les contrer. Il faut savoir admettre qu'il y a plus fort. Ouais, parfait. C'est une démonstration qu'il nous fait Didier à l'heure actuelle. Et s'il garde ce niveau de jeu, ils vont être difficiles à prendre, hein, les joueurs de Barbizon. Oui. Allez, vieux. Je crois qu'on va assister à une superbe finale. Ils ne sont pas encore qualifiés, hein, attention. Non, mais bon. Bien sûr que non. Rien n'est acquis. Tant qu'on n'a pas serré la main, rien n'est acquis. Ouais, c'est la fin. Là. Ah, il n'y a plus de ressort dans l'équipe de Bassins. Ouais, terminé. Et sauté. Pour la sportivité, je crois que j'irai leur serrer la main. Et puis. Ouais, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, non. C'est bouchonné. Sachant qu'il reste 3 boules dans les mains. Essayez d'en bouchonner, ouais. Mais bon, c'est terminé. On sera, nous, invités à tourner nos caméras puis aller voir ce qui se passe à côté juste après pour voir un petit peu si la victoire de Barbizon est confirmée, oui ou non. À moins d'un miracle. On voit pas trop ce qui peut se passer là pour la Maza. Bien joué. Il l'a gagné. Il l'a gagné. Oui, il va falloir le frapper maintenant quand même. Hein. Mais bon, 4 boules quand même, hein, pour y frapper. Regardez la position de Didier Choupet quand il va être dans l'ombre. C'est un des seuls garçons que je vois toujours avec les deux pieds tankés, c'est-à-dire les deux pieds collés. Et il ne mord jamais le rond. Regardez. Voilà, regardez. Allez. Avec Rosa qui nous montre ça. Et manqué. Et oui, manqué. Il reste encore debout le Michel. Ouais, je pense quand même qu'il va pas manquer. Hein. Je ne pense pas. Non, Michel, c'est de courte durée avec lui. C'est la rage si jamais il manquait la première, mais je crois que l'autre serait explosé. Surtout quand on est. Surtout qu'il peut même se permettre de contrer derrière. Tout à fait. Il n'y a rien qui est léger. Prendre la sienne, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, la victoire. Au bout ça n'a pas duré longtemps. Va. Et voilà qui est fait. Voilà. Il manque une petite victoire en doublette à cette équipe de Barbizon pour se qualifier pour la finale et rejoindre le Duc de Nice. On va tout de suite aller voir de l'autre côté, 13-2 la victoire de Barbizon, Loua Choupé face à la Maza et la Bru. Et 14e mène dans cette doublette mixte. Un score toujours 12-10 en faveur de Barbizon face à cette valeureuse équipe de Bassins. Pendant ce temps, à côté, comment ça se présente, Daniel,
points par terre pour les joueurs de Bassens, a priori. Tout à fait, avec une boule restant à venir chez M. Webel, chez Claudie Webel. Voilà. Qui va essayer de faire la reprise. Allez, bien prêt. Ouais. Et court encore. Fait, peut-être, non ? Non. Je pense qu'il est court encore. Il alterne le bon et le beaucoup moins bon hein, dans cette partie. Oui, je trouve qu'il a beaucoup de frébrilité dans ces deux, trois dernières mains qu'on vient de voir là, pour avoir manqué quand même 3 coups sur 4. Et 2 points, une gagne avec 2 boules en main, avec une possibilité flagrante quand même de terminer la partie. Surtout Allez. Que ça fait un moment, ça fait 4-5 mains quand même qui menait 12 à 4. Allez, moi, bisous. Bassens n'a pas profité d'une main, ils ont fait un point au lieu d'en faire peut-être 2 ou 3. Il a manqué. On peut ramasser. Alors, 2 boules en main pour Valigeau. 2 boules en main pour Bassens. Et Jacques Valéjo va essayer de rajouter si possible. Le couloir est étroit, mais ça peut passer. Sébastien Miraes qui n'a pas fait passer. Il a quand même fait un petit peu de place pour sa partenaire. Elle est longue. Oh là là, elle laisse un boulevard à son adversaire là. Et de sa première, eh ben, Jacques Valéjo n'a pas rajouté. Et là, ça va se compliquer parce que si jamais il venait à mal tomber ou à rentrer une des deux boules qui sont devant, ça serait la fin pour eux. Et je pense qu'il va jouer vraiment extérieur. Tiens, on regarde, on l'observe en même temps là-bas au fond. Valéjo qui a envoyé très très haut. Elle n'a pas conclu. Donc un point pour Bassens. Un vrai métronome, Nathalie Le Bourgeois. Elle continue de mettre des points à moins de 10 cm. Elle fait une grosse fin de partie. Et là, ils ont la boule de retard. Hein, les joueurs de Bassens avec la boule manquée par Miraes tout à l'heure. Oh, superbe. C'est surtout le moment qu'il faut choisir pour les faire. C'est ça l'important. Regardez. Et bon, attention, il y a peut-être la réponse qui va arriver tout de suite derrière. Hein. C'est fort possible. Mais on les sent tellement bien, ces deux couples là que vraiment on voit du beau jeu et c'est agréable à suivre. On se motive. La pas du gain. Il a voulu se l'assurer là, non ? Il a tiré plus bas qu'à l'accoutumée. Mais je crois quand même qu'il est un petit peu plus gêné court que long. Ouais. Il balance mieux son bras quand c'est long que quand c'est court. Il le raccourcit, et ce qui fait qu'il tire beaucoup plus à l'effet. Deuxième chance pour le Bourgeois. Voilà. Il est encore court. Hein, Allez. Il n'a pas tiré dedans. Ah, c'est vrai. Allez, c'est pas grave. Allez. Fais le bon. Allez. Dans la partie Webel Bassens, Bassens qui a pointé du fait qu'il venait de marquer un point. Valéjo a écarté un petit peu sa boule.
du bouchon. Mais enfin, elle est... Bien. Elle est moyenne. La moyenne. En revanche, celle-ci n'est pas moyenne du tout. Et du coup, c'est Mademoiselle Lopez Fragoso qui va se lancer au tir maintenant. Hein. Avec Caro, ils peuvent gagner. Ah oui, avec Caro, ils vont gagner. Eh oui. Il ne faut pas la manquer, celle-là. Hein. Par contre, je crois bien que Siro n'a pas gagné le point et ils vont mesurer. Ce qui l'obligerait à repointer et il perdrait l'avantage d'une boule. Supporters de Bassins qui se réveillent en cette fin de partie. Bah oui, ils sentent qu'ils peuvent remonter et les autres, ils pensent qu'ils peuvent gagner. Alors je pense qu'ils ont intérêt à les applaudir et les appuyer. Oh là 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 bon, là, là, là. Oh là attention, l'arbitre va intervenir. Intervention de l'arbitre. Il n'avait pas les pieds dans le rond. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va falloir qu'on revoie. Si Hervé Croza a ça en magasin, il va falloir nous remontrer un petit peu ça. Alors, a priori, je vois rien d'illégal. Hein. Il va falloir passer. Alors, est-ce qu'Hervé peut nous le remettre encore une fois? Ouais. Parce que de l'avant, le pied ne dépasse pas, ça c'est sûr. De l'arrière peut-être, mais bon, regardez, là on voit pas, mais là on va descendre sur les pieds. Il ne mord pas, hein, pour moi, hein. Si, un peu. Bon, ben donc la boule a été annulée, Daniel, hein, oui, pour oui, résumer, hein, c'est assez incroyable. Alors, hein. La boule n'étant pas marquée, on la remet pas en place. Eh oui. Ça, c'est un problème, ça. Eh oui, c'est toujours un problème. Et un point pour Bassins, 12 à 11. Deux points. Ça va faire 12 à 12. Eh oui, oui, il y avait un point par terre déjà. Ça fait 12 à 12. On revoit encore une fois ce tir. Regardez. Je vois pas où peut être la faute. Hein. Le pied peut-être qui mord devant. Il y a peut-être juste le pied droit. Peut-être le pied droit. Peut-être le pied droit. On n'est pas sûr, mais bon. En tout cas, monsieur l'arbitre lui a sauté dessus. Hein. Alors il faut savoir bien sûr que quand on utilise des ronds mobiles comme ça, il est vrai qu'on voit mieux. On voit mieux quand la personne. Ah oui, mord, c'est beaucoup plus distinct. Que oui. Voilà, tout à fait. Alors qu'on sait qu'en définitive, c'est pas réglementaire du fait qu'ils sont mobiles. Hein. On peut les bouger un petit peu, donc c'est pas réglementaire. Mais bon, ils étaient cloués. Mais ils étaient cloués. Alors on ne peut pas leur reprocher aux arbitres d'intervenir quand il voit une infraction à la réglementation. J'arrive pas à terminer ça. Alors du coup, Stéphane Le Bourgeois, il va faire mesurer parce qu'il n'est pas persuadé qu'il y ait 6 mètres. Ah là là. Et oui, il va faire intervenir un peu les arbitres, histoire hein, de les mettre face à leurs responsabilités. Tout à fait, ce qui me paraît tout à fait logique. Hein. Une question, Daniel, je ne veux pas remettre en cause, mais il a mordu. Hein. Oui, 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 non, mais... Si dans le rond, c'est Quintet, est-ce que vous croyez que l'arbitre réagit pareil? Alors, moi, j'ai vu au cours de la Fasino ou qui vous voulez. Mais moi, j'ai vu les arbitres ici très, très entreprenants dans ce domaine au niveau des gens qui mordent le rond ou qui n'ont pas les pieds dans le rond. Je les ai vus intervenir cet après-midi et ils sont intervenus auprès de certains joueurs, même très renommés, et ils leur ont supprimé la boule quand même.
Alors, donc bravo. Je crois que alors, bravo, là, il n'y a rien à dire. Ils l'ont fait pour les uns et ils sont obligés de le faire pour les autres aussi. Voilà, maintenant, on marque les boules. Bah, hein. Voilà, on marque les boules. Hein. Alors, il faut savoir que si vous ne marquez pas vos boules, ben, il est certain que lorsqu'on tire, on ne peut pas remettre la boule en place. Donc, on ne sait pas où elle était. Alors, à partir de là, ben, on l'enlève. Et parce que tout à l'heure, le fin mot, c'est que si la boule avait été marquée, on la remettait en place, ça faisait 3, ils avaient gagné. Voilà, tout à fait. Ben, oui. Alors là, ils l'auraient encore moins digéré. Hein. Mais les joueurs sont inconscients. Et quelquefois, je leur dis toujours, moi, marquez les boules parce que c'est très important. Ah, peut-être la boule de match à côté. On a vite basculé là. Avec un bouchon chiqué par Lamaza. On va voir la réaction de. Oh là là, elle. Réaction de champion. Ah oui, oui. Réaction de champion, il n'y a rien d'autre. C'est la meilleure façon d'ailleurs, c'est la meilleure façon de répondre. Non, je crois qu'il est au summum de sa possibilité, l'un de ses possibilités. Ça peut déstabiliser, hein, ce oui, genre de péripétie dans une partie. Là, il a réagi en champion. De toute façon, un arbitre qui intervient sur un joueur, le joueur est toujours perturbé après. Même, il se reprend très vite, mais il est toujours perturbé la main après. Regardez, Daniel, l'arbitre va intervenir sur la partie d'à côté maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là! L'arbitre qui siffle une boule au joueur de Bassins. Et Barbizon se qualifie pour la finale, vous y croyez? Ça se termine un peu n'importe comment. Oui, oui, ça se termine un peu n'importe comment cette demi-finale.